La personne humaine est une forteresse inexpugnable. Among beings, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir. Tu écoutes l'errance renaldienne du 17 avril 2010. 17 avril! C'est indiqué, là, attendez, là. 17 avril... Eh oui, 2010! Le temps passe et trépasse dans un monde d'angoisse. Bonne émission. Et croyez-moi, il y a eu beaucoup de problèmes techniques. Nous avons repris deux fois le même thème. Donc, je suis ici depuis presque 4 heures. Et je me meurs! Bonne émission. Même petit boyau. Pourquoi brossez-vous votre sauce à spaghetti la nuit? Ah, mon jeune homme. Vous vous intéressez à ma sauce à spaghetti? Pardon? Vous vous intéressez à ma sauce à spaghetti? Oui. Toute la planète s'intéresse à votre sauce à spaghetti, même petit boyau. Oh, je vis une émotion intense. Vous vivez une émotion intense, madame Thibaudot? Oui, j'ai comme le cœur en boulette de steak haché. Oh, mon Dieu. Alors, pourquoi vous préparez votre sauce pendant la nuit, là? Mais parce que les boulettes de viande hachée me semblent plus heureuses. Attendez, là. Vous dites à la population que lorsque vous tournez votre sauce à spaghetti, la viande hachée, les boulettes de viande hachée semblent plus heureuses. Oui, semble. Ça, c'est d'après vous, là. C'est une interprétation. Là, j'interprète, moi, là. Je suis incapable de discuter avec une boulette de steak haché. Vous avez jamais essayé? Ah, ben, j'ai... Oui. On peut entendre l'entrevue que j'ai accordée la semaine dernière. Ben, en tout cas, qu'une boulette de steak haché m'a accordée. Oh. Je crois qu'on n'a pas le temps. Bon, on vient de commencer, moi. Oui, on commence là, là. Mais je suis sûr qu'on déborde à l'heure où on se parle. Ben, on peut pas déborder. La sauce à spaghetti, on n'a même pas mis la tomate séchée. La tomate séchée. Ben oui, ça va faire gonfler ma sauce à spaghetti. Ma sauce à spaghetti. Ouais. Là, la nuit, ça gonfle plus. Ça gonfle davantage. Tu connais-tu l'histoire de la boulette et du piment fort? Non. Tu connais pas l'histoire de la boulette et du piment fort? Ben non, madame. Ah, c'est à moi. Veux-tu que je te raconte? On n'a pas le temps. On n'a jamais le temps avec toi. Mais non, mais on peut pas. On peut pas quoi? On peut rien faire. On peut pas rien faire. Tu es comme un agent de police. Oh, merde. Est-ce un honneur? C'est non, pas du tout. Bon. Alors, comment dois-je prendre ça? Ben, faut pas le prendre, hein? Il faut le laisser. Le laisser où? Ben, le laisser à l'endroit où on l'a pris. On l'a pris où? Dans la sauce à spaghetti! Oh! Dans la sauce à spaghetti! Monsieur le Président? Messieurs les pas trop catholiques? Madame les voluptés? Et vous? Chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. On a une boulette. Pardon? On a une boulette. Une boulette de steak haché? Non, on a une boulette. Quelle sorte de boulette? Nous sommes à notre deuxième enregistrement. C'est vrai. La première a échoué. A échoué. Mais ça n'a pas fonctionné. Comment cela? À 48 minutes... Le magnéto a sauté. Aïe aïe! Alors, les gens qui verront les vidéos auront beaucoup d'inédits. Oh! Des choses jamais présentées dans l'audio! Jamais dans l'audio. Toujours dans l'audio! Toujours dans l'audio. Jamais dans l'audio! Jamais dans l'audio. Toujours dans l'audio! Toujours dans l'audio. Toujours dans l'audio! Toujours dans l'audio. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble. Nous défricherons les chemins narratifs pour un temps illimité.
limité. La seule émission où l'animateur se veut sous la supervision du docteur Êtes-vous certain? La seule émission où l'animateur se veut sous la supervision du docteur Mabuse. Là, j'aurais pu faire ça pendant 2 heures et demie. C'est difficile, ça. C'est le poissonneur des lilas. Oui, en version babine. En version babine. Ouais, écoute. Qui télécharge mes émissions? La Gestapo. Est-ce que c'est plus facile, la javanaise? C'est l'émotion. Gaétan, c'est l'émotion. Arrête de pleurer, comment ça? Ben, t'es un énergumène émotif. Un énergumène émotif. Plus énergumène que moi, c'est pas normal. Mais qu'est-ce que la normalité, ma chérie? Oh! Alors, qu'est-ce que la normalité, sa chérie? Ben, sa chérie se dit que ça s'achèvera ainsi. Comment ça? Ben, parce que lorsqu'il aura tout digéré son trop-plein, il arrivera à des idées plus normatives. C'est-à-dire, il va regretter ce qu'il a dit, là. Comment ça? Ben, parce que, normalement, là, cet homme-là, là, ça parle pas. Ça parle pas, mais ça travaille pas, ça fait rien, ça s'étale, ça veut dire « ouais ». Ça veut dire, va gagner ta vie, puis ramène-moi de la bière. Ah, c'est un vrai Québécois devant sa TV. La personne humaine est une forteresse inexpugnable. À mon avis, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir. La personne humaine est une forteresse inexpugnable. À mon avis, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir.